Salut la famille, bienvenue sur notre chaîne Buzz Pro Max. J'allume Facebook, j'atterris sur une vidéo. Non, c'est même pas une vidéo, c'est audio. L'audio qu'un Benguis a posté sur Facebook. Il paraît que celui-ci a envoyé l'argent à sa cousine. Aïe, l'ingratitude de l'être humain. Vous n'allez pas croire ce que le voice que la cousine a fait à renvoyer au cousin. Vous n'allez pas croire. Donc, celui qui était seulement dépassé, il a dit non, je vais poster ça. Tu as bien fait, mon frère. Oui, ça ouvre les yeux sur certaines choses. Ça ouvre les yeux. Mais, yes, l'ingratitude, le monde-ci. Écoutez, vous allez me donner votre avis. Pauvre, j'ai envoyé 50 euros à ma cousine du bled. J'ai bien reçu les 50 euros. Mais je ne vais pas te mentir, je ne sais pas à quoi ça peut me servir. 50 euros, c'est très peu. Très peu dans ce pays, dans ce Cameroun. Je ne sais pas pourquoi vous les Benguis, vous êtes chiches comme ça. On ne peut pas te demander 50. Toi, tu envoies 100 pour montrer que non, je n'ai pas n'importe qui. Villageois, je ne sais même pas qui t'a envoyé en France. Jusqu'à j'ai dit que je suis même amoureuse. De qui? De quoi? De qui? De quoi? Franchement, hein? Franchement. Quand on fait quelque chose, on le fait avec le cœur. Avec le cœur et les sentiments et les émotions. Franchement, je suis vraiment déçue de toi. Sinon, merci beaucoup. Ça va quand même m'aider. Je vais me battre avec ça quelque temps. Vous avez écouté ça. Donc, l'ingratitude est devenue banalisée. Donc, on banalise. Donc, c'est déjà que carrément, même si quelqu'un t'envoie l'argent et que tu penses, tu as les pensées comme ça, ouais, garde même ça pour toi. Garde même ça pour toi. Ya. Quand tu fais ça. Donc, ton cousin, hein, c'est même pas que frère direct, même avec tes frères, mais il n'est pas obligé d'envoyer à son frère. Il n'est pas obligé. Oui. On vient ici au monde individuellement. Et on va partir individuellement. Chacun gère son polo. Chacun gère son schéma. Chacun gère son schéma ici-bas. Donc, si quelqu'un travaille, où ça va que l'on se réveille ici-là? Où ça va que l'on se réveille? Moi, je me réveille à 5 heures. Parce que j'entre à travailler à 6 heures. J'entre au travail à 6 heures. Ce n'est pas parce que je me retrouve en train de faire la vidéo maintenant, c'est parce que j'ai pris les petites vacances là. Oui? J'entre au travail à 6h, donc je me réveille à 5h. Parce que 5h30, je dois démarrer la voiture. J'arrive là, c'est 15 minutes pour arriver au travail. J'ai encore 15 minutes là pour me changer tout et tout et entrer à 6h net et travailler. Pendant ce temps que je me réveille à 5h là, les gens sont là au pays sur les femmes. Les gens sont sur les femmes. Curieusement, au pays. Quelqu'un 21, 21, tu as peur qu'il est endormi, il est au lit parce qu'il a une femme, il doit. Après, on dit que le lit du pauvre est fertile. Pourquoi? Parce qu'il passe le temps à Mougou, à longueur de journée, il ne fait rien. Il ne travaille pas. Il a le temps pour Mougou. Voilà, il dit que 50 euros, 32 000. Vous ne savez pas qu'il y a des gens qui travaillent, qui gagnent même 25 000, 20 000 au pays là. Hein? Il est vrai, bien vrai, le SMI. Ils ont augmenté, Popol a augmenté le SMIC à 42 000, c'est 43 000. Mais il y a des gens qui te payent 30 000 pour travailler. Oui. Quand tu envoies 32 000 comme ça, là, de son salaire, tu sais à combien de personnes il envoie. Donc à toi, ça, il devait prendre même un 200 000, il t'envoie parce que tu es trop belle. Tu es trop belle. Non, il doit maintenant travailler pour toi. Que les Benguis sont chiches. Hey, il t'a même envoyé. Non, hey. Non, il a posté ça, il t'a même raté. Là, c'est moi sur Facebook. Il fallait qu'il poste ça même partout. TikTok, tout. Quand on dit, voilà la fille là. Voilà l'ingratitude personnifiée. Voilà l'ingratitude personnifiée. Oui. Ha. Hey. Yes. Le monde ici. L'argent. L'argent partout. L'argent ici. L'argent à gauche. Tout c'est l'argent. Tout c'est l'intérêt. Dans le monde ici. Merde. Dans les années à venir, tu interpelles une fille dans la rue, tu dis, ah, madame, vas-y, non. Non, 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 il faut payer pour l'interpellation, là.
tu payes d'abord. Tu lèves le matin, tu écris même WhatsApp, et tu dis bonjour, non, pour m'envoyer WhatsApp, tu dois me payer. Hein? Oui. Tout c'est l'intérêt dans le monde ici. Tout, je dis bien tout, c'est l'intérêt. Tout le monde veut l'argent pour ceux qui n'ont pas travaillé. Vous avez suivi le morceau du feu fiche. Les gens veulent seulement job là où ils n'ont pas work. Que les gens veulent seulement manger l'argent qu'ils n'ont pas travaillé. Ils veulent manger là où ils n'ont pas travaillé. Oui. Intérêt. Sans rien faire. D'autres doivent travailler. Ils viennent donner. Donc, quand maintenant, il travaille son argent, il gagne 1 500 €. Il enlève sur les 1 500 €, il t'enlève toi, la cousine. Tu n'es même pas son frère, ni sa femme même. Il te donne 50 € sur ça. Il recevait 1 450 €. Sur les 1 450 €, il va payer son loyer peut-être 600 €. Oui. Il achète peut-être en usure dans sa maison peut-être 200 ou 300 €. Ça reste combien? Il envoie même peut-être là sa femme au pays encore. Il doit même encore faire les projets. Il doit construire. Il doit économiser et tout ça. Tout ça dans ça. Il y a d'autres cousins comme toi là qui demandent encore. Il faut qu'il envoie aussi même 30 € à l'autre. Il envoie encore même peut-être 60 €. Toi seul, on t'envoie 50 €. Un gros 50 €. Un gros 32 000. Tu minimises. Oui, tu es une sorcière. Tu sors la nuit. Non. Tu sors la nuit. La fille, elle voyage la nuit. Dans les bois de sardines. Ouais. Mais c'est quelle qualité ça? C'est quelle ingratitude? Que le cousin là, tu n'auras même plus que de lui. Même 5 francs. Tu n'auras plus. Tu ne vas plus recevoir même 5 francs de ce cousin-là. Oui. Carrément, tu réponds. Au lieu de même si tu es fâché, reste même tranquille. Et tu n'as même pas d'abord le droit d'être fâché. Estime-toi heureuse qui t'envoie ça. Même si tu as envoyé 10 000, tu étais où avec ça? Tu as travaillé l'autre. Jusqu'à ce que tu minimises. Il t'a envoyé ça parce que tu es dans le besoin. Parce que tu es dans le besoin. Tu as besoin de 32 000 là qui t'a envoyé. Si tu n'étais pas dans le besoin, il n'avait pas t'envoyé. Donc là, tu simples. En tout cas, je vais voir même ce que. Au début, elle dit d'abord qu'elle va faire quoi avec ça. À la fin, elle dit, en tout cas, elle va voir ce qu'elle peut me débrouiller avec. Oui, donc tu es une pauvre lettre. Une pauvre lettre qui minimise l'argent. Oui. Donc, l'homme quémande, il demande l'argent. C'est comme l'église qui se moque de la charité, n'est-ce pas? Ouais. Vraiment. La vie, si. Non. Nous, on a souffert, les mbengistes, on a souffert. On a déjà souffert dans la vie. Je veux dire qu'on est des maudits. Non, les mbengistes, on est dans le ndem. Total. On est dans le ndem. Ouais. Donc, on est devenu l'esclave, on travaille, l'Afrique mange. On est devenu les esclaves. Parce qu'on n'apprécie même pas le geste. Tu vois, 32 000 francs, 50 €. Mon frère, prochainement, hein, prends les 50 €, tu vas au bar, tu bois tes boissons. Ou bien dans une boîte de nuit africaine, là, tu enjoy ton argent. Hein, c'est mieux. Ça entre dans ton corps. Parce que quand tu vas rip, tu vas amener ça avec toi. Oui! C'est mieux. Merde. Ha! Les gens ont le culot ici dehors. Les gens ont le culot. Oui. Mais c'est quel genre de cousine ça même, non? C'est quel genre de cousine ça? Ha! Les gens ont le culot ici dehors. Le manque de reconnaissance. Hey. Moi-même que je suis Simbe, envoie-moi les 50 € là si je ne suis pas content. Je vais te remercier, oui. Vous avez 50 € pour des affaires. Hein? Oh! Merde! 50 € tu peux t'acheter un petit gourmet en argent là. Tu peux, oui. Tu peux déjà acheter une casquette, une bonne casquette avec. Mon frère, quand tu envoies ça, tu simplifies. Tu es au pays là, dans la pauvreté, dans la poussière. On t'envoie 50 €. Tu dis qu'on va faire quoi avec ça? Donc, tu dois devoir vivre aux dépens de celui qui est un bengé, hein, ton cousin. Hein. Va faire ta vie. Tu n'es pas marié. Va te marier, frère. En tout cas, la famille. Ah, moi, j'ai vu ça. Ça m'a intéressé. J'ai tenu à porter ça ici. On se prend à très bientôt, hein, pour une nouvelle vidéo. Mais surtout, ne mettez pas les organes. Hasta pronto.